Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour les énergies et ce beau message de l'oracle angélique pour ce mardi 5 mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, ma petite philosophie du matin. Quand un malheur arrive, il est trop tard pour apprécier le bonheur que l'on avait auparavant. Il est tellement important d'apprécier ce qu'on a, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Très belle philosophie de ce matin. Tout ça pour être, allez, heureux pour commencer notre journée. Aujourd'hui, j'ai pigé l'ange de la liberté. C'est quoi? C'est la légèreté, l'authenticité, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, on vous demande de vous libérer de votre âme, de tout souci. Libère ton âme de tout souci. Détache-toi, des liens du passé. Et permets-toi de tourner ton regard vers le vent de la liberté. Comment se fait-il que, aujourd'hui, vous ne savez pas vous détacher de votre passé? Comment se fait-il que vous ne savez pas faire un lâcher-prise? Eh bien, l'ange de la liberté vous invite à faire ce lâcher-prise et vous détacher de ce qui est derrière vous, de tourner la page, recommencer, peut-être commencer un nouveau chapitre. On vous invite à fermer un chapitre de votre vie. Reconnais ta divinité ainsi. Tu seras un être libre. Et peu importe, n'est-ce pas, les conditions extérieures, tu peux vraiment élever ta conscience au-dessus des problèmes et des oppressions. Enveloppe ton âme de légèreté. Telle est, et évidemment, sa nature originelle, n'est-ce pas, et retrouve en toi un sentiment sublime de liberté, celui qui te, qui te conduit directement sur le sentier brillant de la joie, de la gaieté, celui qui te permet d'embrasser la vie, de rire, de t'amuser, de tout. Mais maintenant, si tu n'as pas fermé ces portes derrière toi ou cette porte, si tu n'arrives pas à te détacher du passé, tu ne peux pas avoir cette liberté, cette légèreté, cette authenticité. Alors, la peur n'est qu'une illusion créée par ton mental, n'est-ce pas? Je t'invite à devenir le magicien de ta vie. Sors de l'ombre, de la peur, pour te permettre de goûter au sublime soulagement de l'âme à partir du moment où tu prendras conscience que la peur ne te fait pas avancer. Eh bien, il y a beaucoup de choses qui changeront. Je voudrais tellement que la tranquillité soit ton refuge. Alors, pourquoi pas abandonner les souffrances du passé? Pourquoi tu n'arrives pas à les abandonner? Ne les transpose pas constamment dans ton présent. Tu n'es pas heureux, heureuse de cela.
Il est temps de couper tous les liens négatifs et de te libérer, de libérer ton âme. Alors, ne sombre pas dans la prison froide et amère des sentiments de haine, de culpabilité et de fermeture. Ici, je vais te demander d'utiliser ta sagesse divine et de retourner à l'amour dans le puissant don du pardon, car en ne pardonnant pas, tu ne peux pas avancer. Ne sois plus dans cette colère. Détache-toi. Détache-toi de tout lien du passé, que ces liens sont négatifs pour toi. Ça ne doit plus être dans ta vie. Tu ne peux pas t'accrocher à des choses qui n'ont plus à être là. Et toi, tu t'accroches à ça. Laisse partir ce qui ne te convient plus. Laisse partir cela. Ne t'accroche pas à quelque chose qui ne te convient plus ou qui ne te convient pas. Prends la décision de te libérer de cela. Waouh, c'est un très 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 beau message, n'est-ce pas? Ça parlera à certains et ça parlera pas à d'autres, évidemment. Je termine avec l'affirmation positive. J'attire à moi la réussite et le succès. J'attire à moi la réussite et le succès. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message et d'ici là, portez-vous bien et moi je vous embrasse. À demain.